Je veux que tu sois sincère avec moi. Sincère? Oui. Je le fais. Vous voulez vraiment savoir ce que je pense, madame? Oui, Christelle. C'est d'ailleurs pour cela que je fais de toi ma confidente. Tu sais, tu es une personne vraie et sincère qui dit toujours ce qu'elle pense. Merci beaucoup, madame. Je me sens très honorée. Alors, tu peux me dire ce que je veux entendre? Madame, je pense que vous ne devrez pas le faire. Pourquoi? Écoutez, madame, le faire serait comme si vous étiez en train de renoncer à votre rôle de mère. Pourtant, vous êtes une très bonne mère. Je dirais même une formidable mère. Elle n'aurait pas rêvé mieux. Mais si vous laissez entrer cette femme dans cette maison, croyez-moi, elle va venir prendre le cœur de Elle. Alors, je pense sincèrement que ce n'est pas nécessaire d'avoir une nounou ici. Madame, je disais simplement ce que je pense. Christelle, j'ai bien suivi ce que tu penses. Je ne parle pas de la nounou. Je parle du téléphone. Votre téléphone a un problème? Christelle, arrête! Je parle d'Ebodé, mon mari. Je sais combien je meurs d'envie de parler avec lui. J'ai envie de l'appeler, entendre sa voix. Il me manque. Tu vois, est-ce que je peux l'appeler? Non, madame, ne l'appelez pas. Vous savez que monsieur Ebodé travaille énormément pour vous satisfaire. Et depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de faire sonner son téléphone. Votre mari vous aime trop. Et vous également. Mais il faut vraiment que vous le laissiez se concentrer à son travail. S'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire de l'appeler. C'est vrai. C'est vrai qu'il m'aime. Et c'est aussi vrai qu'il travaille beaucoup. Merci, Christelle. Bon, excusez-moi, madame. There's nothing, nothing anybody can do, yeah. Ooh. J'ai t'aime comme ça. And there's nothing, nothing anybody can do, yeah. Oh, each time I see your face, each time I see you smile, to me don't la shit a each time I see you smile. Each time I see your face, tu me donnes la chair de fou. Ay, je t'ai amour. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. Ay, je t'ai amour. Yeah, yeah. There's no one like you.
La nouvelle épouse. 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 Douala, capitale économique du Cameroun. Ville cosmopolite, bouillonnant de culture, où la misère et la bourgeoisie se côtoient. Ici, la débrouillardise est l'issue de tous les jours. Et l'opportunité est la chose la moins partagée. Comme on dit, dans ces rues englouties dans le brouhaha du ronflement des moteurs de mototaxi. Tu dors, ta vie ronfle. Elle, qu'est-ce qu'on avait dit? On ne doit pas déranger les grands quand ils discutent. Allez dans ta chambre. Vous avez des enfants? Non, mais j'adore les enfants. Ok. Revenons à ce qui nous concerne. Vous disiez? Je m'appelle Moana, j'ai 24 ans, je suis titulaire d'une licence en lettres bilingues. Attendez. Une licence, vous avez dit? Oui. On fait ça comment? Ça quoi? Avoir une licence dans la poche et vouloir pour travailler, être nounou?
s'il te plaît. Je vais bien te fouetter aujourd'hui. Je ne le ferai plus, maman, s'il te plaît. Reviens ici. Maman. Viens ici. Maman, s'il te plaît. Viens ici. Madame, s'il vous plaît, c'est un enfant. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cet enfant. Heureusement que dès demain, il sera le problème de quelqu'un d'autre. Tous les jours, je dois bavarder dans cette maison à cause de lui. J'en ai marre. Je vais finir par l'envoyer chez sa grand-mère. Madame, vous allez bien? Madame. 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 Essayez un peu de vous allonger. Maman, tu vas bien? Oui, mon chéri, ne t'inquiète pas. Elle va bien. Elle a juste... Est-ce que tu peux nous apporter un verre d'eau, s'il te plaît? D'accord. Super, gentil garçon. Madame, venez, on va aller dans votre chambre. Merci, mon chéri. Maman, je vais bien et toi? Comment ça va au village? Je vais très bien. Ton oncle aussi. Il a attrapé un rat ce matin. Miam, 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 maman. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être en ce moment précieux au village et profiter de cette bonne viande de brousse. J'imagine un bouillon bien assaisonné comme tu sais bien le faire, maman. Oh, oh maman, tu me mets l'eau à la bouche, là. En fait, je t'appelle pour te dire que j'ai trouvé du travail. Vraiment? Félicitations, ma chérie. Il s'agit de quelle entreprise? Maman, il ne s'agit pas d'une entreprise. J'ai trouvé un job de nounou pour une famille en ville. Avec une licence, la seule chose que tu as trouvée, c'est le boulot de nounou. Que veux-tu que je fasse, maman? C'est vraiment difficile de trouver du travail ici à Douala. Trop de demandeurs d'emploi, pas d'entreprise. Du coup, qu'on soit diplômé ou pas, on est presque obligé de faire n'importe quoi pour survivre. Ce pays est en train de tuer sa jeunesse. Tous les diplômes dans l'eau. Je suis tellement désolée, ma petite fille. Ne t'inquiète pas, maman. C'est juste de quoi participer aux frais de l'appartement. Et puis, je le fais en attendant de trouver autre chose. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Je récolte bientôt mon champ. Je t'enverrai des provisions. Merci, maman. Prends soin de toi, ok? Toi aussi, ma chérie.
Déjà là? Oui, je viens juste d'entrer. Ah. Alors, ça a été? Oui, et je commence demain. Super! Très bonne nouvelle. Quoi? J'avais un peu d'économie et j'ai décidé de faire les courses. Je t'ai acheté ça. Ces derniers temps, tu manges un peu trop, donc ça va gérer tes kilos. Attends. J'ai pris des kilos. Ah, je meurs de faim. Tu es bako, tu es folle. Ok, je fais la cuisine. D'accord, merci. Les clients sont terribles. Si tu passes une journée à la boutique, tu vas mourir. J'en sais quelque chose, Bako. Je me souviens de la dernière fois, tu m'as laissé quelques heures à l'institut. Je t'assure, j'ai assisté à un spectacle, pas possible. Ah oui, je me souviens, tu m'avais raconté ça. Jim, comment ils sont? Qui? Bah, tes patrons. Oh, c'est une famille visiblement riche. Ils ont un garçon turbulent et adorable en même temps. Je sens qu'avec lui, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais même discuter avec la patronne. Ah bon? Comment elle est? C'est une belle femme, très élégante, posée. Il est mal et gentil. Les patrons sont toujours gentils au départ. Mais après, elles te montrent leur vrai visage. Ne te fie surtout pas aux apparences. Merci de me prévenir. Je serai sur mes gardes au cas où, ok? Ok. Je reste et demeure la seule patronne gentille. Tu peux demander aux filles. Bako, tu n'es même pas la patronne. Tu es le bras droit de la patronne. Tout ça, c'est la même chose. Je t'aurais prévenu. Reste sur tes gardes. Tu peux avoir confiance, Bako. Je ne me laisserai pas marcher dessus. Je me suis assez humiliée en acceptant ce rôle de nounou. Figure-toi que même la patronne n'en revenait pas quand je lui ai dit que j'étais titulaire d'une licence. J'imagine sa tête. Et son mari? Il n'était pas là. Il était où? Bako, comment voudras-tu que je le sache? Je ne suis pas là en mission de reconnaissance là-bas. J'ai juste vu ces photos. Nous avons regardé attentivement votre site et c'est un excellent choix près de la mer. Du coup, les travaux ont très bien avancé. Effectivement, nous souhaitons ouvrir avant la fin de l'année. Raison pour laquelle nous avons fait appel afin qu'on nous propose un aménagement de qualité. Nous aménagerons les chambres, les cuisines et les restaurants. Et si vous avez besoin d'un espace de jeu, nos experts se chargeront de vous faire une offre. D'accord. Nous avons également besoin d'une piscine naturelle. Très bien. Comment il est? Beau, grand, élégant, grand détail. Attends, c'est quoi ces questions? Je ne travaille pas à la police. Oh, tu es trop comme ça. Bon, c'est vrai, il est mignon. Donc, tu pourrais... Stop. Je t'arrête tout de suite. Ne compte pas sur moi pour jouer les entremetteuses. Comme tu as entendu qu'il est riche, tu veux déjà jeter ton dévolu sur lui. Madame, ton hameçon, tu le jettes dans un autre lac. Je suis une professionnelle, je serai professionnelle dans mon travail. En tout cas, les hommes mariés ont toujours un deuxième bureau. Je voulais juste savoir si je pouvais avoir la chance. N'y pense même pas, laisse tomber. Il est riche, tu te rends compte? Laisse tomber, c'est pas la peine. Ok. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Le médecin vous a recommandé de vous reposer.
J'étais dans votre chambre et je ne vous ai pas trouvé. Je me suis sentie obligée de venir ici derrière. Je vais bien, Christelle. Ça va, je me sens bien. Je suis fatiguée de rester allongée. Ok, je vous ai apporté votre jus de fruits. Madame, je vois bien que vous avez envie d'appeler votre mari. Eh bien, vous pouvez l'appeler. Christelle, je peux le faire. Allez-y. Nous avons étudié votre offre et elle nous convient tout à fait. De plus, votre panel de produits nous ravit. De ce fait, la dépense n'est pas un problème. Vous avez carte blanche. Comme toujours, il doit être encore occupé. Dans la mesure où nous voulons que notre hôtel soit le plus luxueux, le plus paradisiaque, le Kribi, bien évidemment, avec un côté rustique et propre à l'Afrique. On le fera, faites-nous confiance. Nous travaillons avec les meilleurs artisans de l'Afrique. N'a pas le temps pour moi ces derniers mois. Madame, vous savez que votre mari travaille énormément. Il doit encore faire ses preuves dans ce marché. Il s'est si bien occupé de l'hôtel Sanaa il y a 5 ans que plusieurs particuliers l'ont contacté. Vous devriez plutôt être contente pour lui. C'est vrai que je suis très contente. C'est juste qu'il me manque. Je suis persuadée que dès son retour de Kribi, il va passer plus de temps avec vous. La tapisserie viendra de Tunis et de Lomé. Déjà, pour les décors, nous avons travaillé et nous travaillons comme ça avec un designer camerounais. Il est un expert en textile et son talent n'est plus à démontrer. Je vous présente Aya. Ça devient plus intéressant parce que nous envisageons un espace d'exposition d'art et de vêtements Afritude. Alors, Monsieur Ayam, nous sommes ravis que vous fassiez partie de notre aventure. Je vous en prie, madame. C'est un plaisir. Parfait. Mais nous avons également un souci au niveau de la sécurité. Oh, la sécurité, c'est une spécialité de la maison. IT Group vous fournira le matériel nécessaire possible. Imagerie thermique et aussi la qualité, la bonne qualité en images. Merci. Vous avez la meilleure offre que nous avons reçue jusqu'ici. Merci, Monsieur Massou. Alors, il ne nous reste plus qu'à signer. Faites-en. Maintenant, essayez de vous reposer. Je vais vous préparer quelque chose à manger. Merci, Christelle. Christelle. Oui, madame. S'il te plaît, passe-moi de tout ceci à ma maman, s'il te plaît. Je n'aimerais pas l'inquiéter. D'accord, madame. Ne vous en faites pas. Merci, Christelle. Maman. Maman, s'il te plaît, ne tombe plus malade. Je te promets que je ferai plus de bêtises. Oh. Merci, mon amour. Je t'aime beaucoup. Maman, maman. Christelle? Oui, madame. Un verre pour elle. Ok. Elle, ça, c'est pour les enfants. Excusez-moi. Construire une famille relève d'une sacrée dose d'engagement et d'amour. L'exposé tient sur un fil d'égarement et de légèreté. Oh.
like that. And there's nothing, nothing anybody can do, yeah. Ooh. J'ai t'aime comme ça. And there's nothing, nothing anybody can do, yeah. Oh, each time I see your face, each time I see your smile, tu me donnes la chair de poule. Each time I see your smile, each time I see your face, tu me donnes la chair de poule.